Hormonalement, ça s'est mis en route. Alors, déjà, elle a déclaré l'épilepsie, chose qu'elle n'avait Oui. pas avant. Et donc, Épilepsie ça, c'était il y depuis. a un an. Donc, d'habitude, l'épilepsie arrive quand même beaucoup plus tôt. Et là, voilà, c'est arrivé l'année dernière, donc il y a 10 ans. Et c'est pas une grosse épilepsie, hein, c'est des crises qui sont assez courtes, qui peuvent être espacées dans le temps, mais voilà, avec ça peut être lié aux hormones, à la mise en place de l'adolescence, son corps se transforme. Elle a des gros chagrins, un peu inexpliqués, en fait. Voilà, tout d'un coup, pouf, elle a une grosse tristesse en elle et voilà, il faut la consoler. Et ça peut être aussi voilà, hormonalement. Puis, bon, voilà, elle devient une jeune fille, hein, au niveau du corps. Ça se voit. Et puis voilà, c'est ses petites humeurs aussi. Voilà. Je pense que c'est lié à l'adolescence. Ouais, peut-être. C'est ses petits boudins. Parce que bon, elle a un sacré caractère. Hein. Ouais, elle a dû Voilà, quand elle a décidé de manger avec personne d'autre que moi, elle mangera avec personne d'autre. Mais elle est capable de tenir. Hein. Et j'arrive, ça fait 1 heure que son père essaie de la faire manger, j'arrive, je prends la cuillère, elle ouvre la bouche. Voilà. Elle a. une heure avec des pauses, hein, parce que j'ai pas la patience non plus. Ça c'est. On apprend à l'avoir avec une enfant différente, mais voilà, on fait des pauses. Ah, tu veux pas manger? Bon, écoute, je reviens. Non, elle a un petit caractère, elle sait ce qu'elle veut. Hein. C'est, voilà, il y a le petit Suisse, la Danette. Hein. On va regarder la Danette, hein, le petit Suisse. Elle aime beaucoup le chocolat.